Sur quoi danser. On se rappelle des moments de grâce absolue. On était enfant dans sa chambre et on écoutait là, sur carrément moins qu'un dépasse. C'était un phonographe avec une manivelle qu'on remontait et puis la manivelle était un ressort et le ressort envoyait 78 tours. C'était quand même avec des craquements. Et tu changeais l'aiguille tous les trois auditions, tu passais 78 tours, l'autre côté, paf, ça ralentissait. Oh non, c'est sûr que tu toi, tu te relevais d'un bond, ouais, tu remontais la manivelle, qui avait du sport, quoi. Tu changeais l'aiguille, tac, et là, t'écoutais New Orleans, tous les grandes stars, Black, venus d'Afrique, envoyés en esclavage leurs parents, et eux, en train de relever le flambeau de la révolte, en chantant une musique joyeuse et entraînante, et qui s'appelait New Orleans. Yes. C'est cette espèce de chemin amoureux qui est tracé par la beauté d'un sourire parfois qu'on ne reverra peut-être jamais, quoi. Une jeune fille qui passe, et j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, moi je suis là, mais j'aime pas du tout qui vous êtes. Tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. C'est un côté flatterie, tout ça, bonheur absolu, et de l'autre côté, paf, tu vois, tu traverses au rouge et paf, le chien tombe. Souvent, les gens, si j'arrête, disent « Ah, il y en a deux, l'autre, il fait là, le poteau !» Tu vois, je serais responsable de la mort du type, paf, qui se prend en pleine gueule. T'as voulu voir Jean et on a vu Jean. T'as voulu voir...
c'est dommage. Non, vous n'allez pas applaudir. Parce que là, j'aurais l'impression d'être à la télé d'un coup. Applaudissez à chaque phrase qu'il dit. J'ai écrit un hommage alors aux femmes aimantes, amoureuses, amies, sœurs, femmes. Celle qui m'a mis au monde, à celle qui m'a accouché, à l'amour. L'herbe, l'herbe, tenderland, tenderland, bleu sombre la mer et le ciel. Turquoise, l'iris et la pupille noire, rouge la zébrure, pourpre la lanière, sanguine la cicatrice et bleu pastel, les veines. La bande à Rodi, on est chargé leur chevrotine sous les bottines d'Igly Jack. Moment horrible et mémorable. Pourquoi est-ce voilà, des bouchons. Quoi, les bouchons, quand tu vois les bouchons, tu vois, tu te dis où ça va, c'est les bouchons avec, il n'y a pas de bouteille derrière. Il y a juste des encombrements, quoi. Des bouchons, à un moment donné, à une ligne où des gens veulent partir au bord de la mer, par exemple, ou prendre de l'espace, et les autres, ils veulent rentrer pour rejoindre leur travail, et tout. Et à ce moment-là, il y a une ligne transversale qui sépare les deux. Les chartes de l'aide, c'est, ça s'appelle le... Péage. C'est horrible, parce que depuis le temps que les gens ils payent pour passer dans un sens ou dans l'autre, tu vois, ça devrait être remboursé, quoi, le paiement des achats pour acheter le goudron. Et là, c'est horrible, et c'est ce jour-là, le 15 août, tu me rappelles un souvenir, inconcevable, où les égéries, les muses et les modèles m'ont planté sur les hauteurs de Gourgon à 2500 pieds du niveau de la mer Méditerranée, où j'étais tout là-haut, seul, pour m'y entourer, envahi par les touristes pendant qu'elles étaient allées dépenser tout l'argent que vous m'aviez donné pendant un an, avec lequel j'aurais pu partager avec d'autres gens. Elles sont parties, elles m'ont tout piqué, et sont allées acheter des sacs, des trucs, des machins qui... Ça ressemble à rien, en me laissant seul avec mon stylo, avec un verre de Bourbon à Gourdon, Alpes-Maritimes, tu vois, où il y avait un endroit élevé à la gloire des touristes, où il y avait des Hollandaises avec des sacs à dos et du gros mollet. Tomber amoureux si t'es en état de manque sur une île déserte et que tu peux pas faire autrement. Et qui sont un peu confortables, quoi. Mais tu vois, avec les sacs à dos musclés et décidés à aller quelque part. Et puis d'un autre côté, avec des grabataires qui descendent d'un car nippon et qui a... C'était l'horreur. Alors j'ai regardé ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, il faut que je les attende en même temps, elles ne sauront pas me retrouver, qu'il faut que je les accompagne, parce que c'est moi qui ai le permis. Mais chier, quoi. Week-end du 15 août, raz-de-marée migratoire, ruée dans les embouts, j'avais un carnet de un croquis de brouillon, à Gourdon, en tournant un bourbon, grenadine. Week-end du 15 août.
je parle. Les autres, ils disent, ça y est, c'est parti. Parce que messieurs s'emmerdaient au péage. Eh ouais, au pelage. Week-end du 15 août, raz-de-marée migratoire, c'est un texte admirable. Ruée dans les emboutes, plongée kamikaze dans les gaz toxiques. Ça m'a pris une semaine pour écrire ça. Avalanche de scoop, alerte orange, alerte rouge, alerte. C'est la pagaille, le foutoir, la panique. Moi, j'avoue le pantalon.